Plus blanc que blanc, tout ça. Non, ça, c'est pas possible, ça. Non, non, non. Plus non, blanc. Mais si, plus blanc que blanc. C'est possible, plus mais blanc. Oui. Mais regarde. Merci. La physique. Avec cette grenadine, je déclare ouverte la saison 2 de Merci la physique. Ah. Bon, déjà, Michel, on recommence, hein? Écoute, 50 épisodes ouais. À un épisode par jour, ouais. Ouais. C'est quand même intense comme rythme. Intense. Donc, je pense que là, avec le déconfinement, on peut quand même un peu se calmer. Hein, 1 à 2 épisodes par semaine, moi, ça me paraît raisonnable sur le long terme. D'accord, d'accord. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette saison 2? Et on est déconfiné. Oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir pour aller voir de la physique dans la nature. Voilà, à la campagne, sur les terrains dans de sport, partout, la forêt, la mer, voilà. Ouf. Bon, et puis, il y a plein d'autres collègues physiciens qui font des manips vachement sympas. Ah bah, faut faire avec et donc, eux. On va aussi faire avec eux des séquences physiques avec les amis. Enfin, il y a notre ado qui a dit, c'est mieux de dire physics and friends. Il a dit tous les amis and friends. Ouais, c'est plus catchy, ah, oui. Comme il dit. Bon, okay. Et puis, dans les armoires, j'ai du matos de pro aussi. Ben oui. Gyroscope, tout ça. Bon, c'est des trucs, tout le monde n'a pas ça chez soi, mais ça fait quand même des manips vachement impressionnantes. Ouais. Ce serait dommage de s'en priver. Ce serait dommage. Voilà. Mais ce serait dommage aussi de ne plus avoir le ballon fakir, la grenadine, le boulon, la boîte de camembert. Mais oui, mais il y a toujours des choses avec ça à faire. D'accord. Mais c'est qu'en rajoutant, tu vois, ça va faire encore mieux, quoi. Ah oui, non, mais on se calme, Jean-Michel. Là, c'est toujours super mieux, super machin, plus blanc que blanc, tout ça. Non, ça, c'est pas possible, ça. Non, non, non. Plus blanc. Mais si, plus blanc que blanc. C'est possible, plus mais blanc. Oui, regarde. Mais ça, c'est et cette feuille, elle est blanche. Blanc. Ah, c'est blanc, d'accord. C'est blanc. Oui. Et ben, regarde. Il y a des choses oui. Qui apparaissent plus blanc. Mais comment ça se fait que... Ben, c'est la fluorescence. Ouais. C'est un phénomène qui est utilisé par les marchands de lessive. Les marchands de lessive. Et oui, et quand ils disent que ça lave plus blanc que blanc, ouais. Ben, c'est vrai. Et ils ne nous racontent pas des... Eh ben non, viens voir dans la salle de bain, je vais te montrer avec les lessives. D'accord. J'ai de la lessive liquide. Et cette lessive, je vais en mettre un peu sur cette assiette. À la lumière, comme ça, blanc sur blanc, c'est on blanc. Voit pas grand-chose. Alors maintenant, je vais l'éclairer avec la lumière ultraviolette, et puis surtout, on va éteindre la lumière, et là, et ben voilà, on voit que l'assiette, ben elle est un petit peu éclairée, en revanche, la lessive émet beaucoup plus de lumière. Alors on peut rallumer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lumière ultraviolette, c'est une lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais cette lumière, il y a quand même de l'énergie dedans. Cette énergie, elle est cédée aux molécules fluorescentes, capture l'énergie, et qui la réémettent sous forme de lumière visible. Comme ça, suppose que tu as lavé un drap. Tu le mets au soleil. Si tu l'as lavé avec du savon de Marseille, ton drap, il est propre, il est blanc. Si tu laves avec une lessive comme ça, qui a des agents azurants, ces molécules fluorescentes, eh bien, quand tu le mets au soleil, la lumière le drap, il renvoie la lumière visible, il est blanc. Et puis, il y a la lumière ultraviolette qui nous arrive du soleil. Cette lumière ultraviolette, elle va faire rendre lumineuse ces molécules. Mm-hmm. Et donc, le drap, en plus du blanc, il va nous rajouter encore de la lumière. Et donc, il est plus blanc que blanc. Et voilà. Et donc, eh ben, c'est possible. Écoute, je n'aurais qu'un mot à dire. Merci Jean-Michel. Ben non, merci. La physique.